Ouais. Là, on a arrêté hier, nous avons une grosse leçon. Je ne voulais pas savoir vraiment à vous quel aurait été le résultat. Moi, je me demandais, mais est-ce qu'on va entendre quelque chose entre nous deux pour pouvoir comprendre ce qu'avait dit moi après, pour pouvoir répéter ce que j'avais dit Henri, mais ça se passe très bien. Oui, très bien. On fait le dernier morceau ou on arrête? Bon, on arrête là? Et là, comme bon. Tu veux. Ouais. Comme ok, vous merci. Merci. Et là, quand vous regardez la scène, quand vous regardez un peu le. C'est juste un plan rapide. Toi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas sérieux, t'es dans le coup en fait. Les gars, hein, à chaque fois qu'il y a un truc pas sérieux, t'es dans le coup en fait. Ah ouais, j'ai toujours dans les mauvais plans. Ah, toi, ouais, voilà. Mais tu peux compter sur moi, je suis opiniâtre en plus. Bien sûr, Virgile. En tout cas, je te remercie infiniment, André. Voilà. Alors, monsieur Morvan, vous venez de faire une prestation exceptionnelle là, devant 50 000 personnes au moins. Quel effet ça vous a fait? Racontez-moi. Eh ben, ça m'a fait chaud au cœur. C'est quand même la première fois que j'étais sur une scène à chanter avec mon frère devant autant de monde. Ça fait plus de 50 ans qu'on sillonne la Bretagne, mais on n'avait pas eu l'honneur de chanter devant un public comme il y avait aujourd'hui aux Vieilles Charrues à Carhaix. Est-ce que vous êtes rendu compte comment vous avez conquis ce public? Je ne sais pas. C'est peut-être par rapport à la fidélité qu'on a envers ce qui est le chant traditionnel breton. Et on s'aperçoit que ça fait quand même, puisque ça fait plus d'un demi-siècle, qu'on est en train de chanter un peu partout. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus. Oui, je vous crois. Et alors, dites-moi, aujourd'hui, là, vous avez marié la musique traditionnelle, une musique folklorique bretonne, chantée merveilleusement d'ailleurs, avec des musiciens ultra-modernes qui sont les tambours du Bronx. Je sais qu'ils vous ont fait un accueil chaleureux, ils ont accueilli votre musique avec enthousiasme. Et vous, quel effet ça vous a fait de les entendre battre avec vous? Mais voyez, quand on a fait la première rencontre avec eux, ça a été déjà le premier contact, bien sûr. On a tout de suite repéré et saisi leur amitié. Et je vous dirais très bien, ce sont des gens très abordables. Très abordables. C'est pour ça, je ne peux pas me dire. Très abordables. Écoutez, je peux vous assurer que du côté du public, c'est un enthousiasme général. En particulier quand vous êtes parti, que vous avez souhaité Kenavo à Véchal à tout le monde. Oui. Alors ça a été un moment extraordinaire. Ah ben, qu'est-ce que tu aurais dû autrement? Bon. Je ne pouvais pas dire autre chose. Bon. Alors écoutez, avec votre permission, cette entrevue-là, on l'enverra aux Amis d'Amérique. Et puis on enverra un peu de musique à vous en même temps. Merci, bien. Merci. C'est d'accord? C'est très bien. Bon, très bien. C'était. On sera même fier. Vous serez fier. Oui. Eh ben, je vous ferai une cassette exprès pour vous. Bien. Voilà. Alors, ça marche. Alors, c'était. Ça sera encore un grand souvenir de plus. Je partirai d'ici ce soir avec le cœur agrandi encore. Alors je m'y engage. C'est Jacques Melou que vous devez connaître, qui vous le transmettra. Bien. Merci. Comptez sur moi, je m'y engage. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. C'était Virgile au festival. Merci. Grand merci. Il y a une autre fois. J'espère bien l'année prochaine. Peut-être avant. Ah bah, souhaitons-le.